Ah, flamant jaloux. Viens donc, Jeannot. Tu ne la finiras jamais, ton histoire. Non, bon, là, ça, on la finira plus tard. Ben non, bah, on va reste dans ton montage. Viens là, viens. C'est beau, c'est bien. C'est bon, ça va. Comment ça va? Tu as bien dormi? Mais oui, mais vous m'avez pas réveillé avant d'entrer. Non, je voulais pas te réveiller. Mais pourquoi? Mais j'étais réveillé. Tiens, bois dans le canon, c'est ça. C'est un coup de coupe bleue. C'est un coup de bleu, oui. Ah bon? Ah, c'est comme ce que je fais. Quand même. Alors, je passe les voitures. Très propre, ça. C'est beau. Un petit vin. Ça, c'est un petit vin du matin, ça. Le vin de pisse. Oui. Directement. Directement dans le vin. Directement de quoi? C'est de la bouche à la gaule. De la bouche à la gaule, tu vois. Comment ça va, Dominique? Ça va. Ils sont partis chercher de la charcuterie. Tu sais que je veux voir tes vignes, hein, et puis je prends le train à midi 8 et j'ai rien loué à. Midi 8? Oui. À Angers. Tu prends le TGV là? Oui. C'est bien, hein, t'as vu, ça met pas longtemps. Ben oui, mais là, comme j'ai pas pris de place, il faut que je sois là-bas vers 11h30. T'as rien loué? Ce que je veux, non, là. Dis donc, ce que je voudrais, c'est voir tes vignes, hein. Puis j'en ai. On va voir ça. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est bon, ça? Ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est à Pierre-André, ça. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est à Pierre-André, c'est le vin de Pierre-André. Ça va être du chenin? C'est pas Pierre-André Boutan, c'est Pierre-André, l'autre. Pierre-André, oui. Mais c'est du chenin, ça? Oui, je pense. Oui, c'est du chenin, bien sûr. C'est du chenin, oui, ça. Bon, ça, tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble aux petits blancs de vent Jean le Vigneron. Jeannot, oui. Son petit blanc qui vend, tu sais. Ben c'est de l'an, oui. De Touraine, tu veux dire? Hein? Ah, j'adore ça. Ça, j'adore ça, oui. T'en as du comme ça, t'en fais du comme ça, oui. Quand je vais repasser après les. Quand après le tournage, je repasserai vers la fin du mois. Je t'en achèterai quelques litres de ça. T'en as de l'année dernière, quoi. De l'an dernier, non, mais j'en aurai de cette année-là qui va être super. Mais il va être fait, là, à ce moment-là. Il sera pas fait. Non, mais il sera pas fait avant le mois de mars, quoi, non? Il faudra qu'il soit fait avant le mois de mars parce que je suis en rupture de stock. Alors. Ah bon? On va s'arranger avec le stock. On va s'arranger avec le stock. Ça, et... ça, c'est de l'année dernière, le 88, ça. Hein? Oui, ça, oui. Qu'est-ce que c'est bon, hein, ça, dis donc. C'est joli, ça. Ah, t'as goûté un peu? Non, non. Oui. Mais j'en ai vu des litres qui ressemblaient à ça chez toi, là. Dans, là. Ah. C'est t'as bien. Dormi? Qu'est-ce que t'as fait, là? La vieille, là? Oui. Elle était tout à fait charmante. Bon. Paf. Joli bruit. Joli bruit. Mais oui, mais tu sais, ce matin, pourquoi vous m'avez pas réveillé? Où il est, le brut? Il est parti chercher de la charcuterie. En bouche. On est à la charcuterie. Hein? Oui. Mais pourquoi vous êtes pas lavé encore? Vous commencez à puer tous les deux. Hein. Ça sera un vrai plaisir. S'il te plaît. Super. Tu t'en vas, là? Avec Camille, bah, tu emmènes... On va emmener Jeannot, oui. Oui, parce que dis, alors écoute, tu sais ce que je... Est-ce qu'il faut que je fasse une... Est-ce oui, que t'as loué ta place dans le train? Non, mais là, non, je l'ai pas loué la place dans le train. Il y en aura sûrement pour toi. Quoi? Non. De la voiture à Gérard éventuellement. Oui, mais non, mais il n'y a pas moyen d'avoir le Angers. Moi, j'ai appelé. Maintenant, il est 9h, c'était arrivé. Tu crois, oui. 25, c'est pour ça. Oui. On a essayé plusieurs fois. Mais bon, mais de toute façon, ce qu'il faudra, c'est que je parte de chez toi vers. Vers 11h. Hein. Attendez, non, s'il y a peut-être une autre possibilité, ça serait ça, c'est Angers. Mais il y a Saumur aussi. Mais Saumur, il n'y a pas le. Saumur, c'est non, Saumur, tout. Non, on nous la paix, Angers. Mais... Angers de Reims. Non, mais. Alors qu'on non, est mais... en train de becter les seins de la Brigitte Fossé. Angers, ça va être militaire. Il faudrait que je parte vers 11h à peu près. C'est dans les Valses. Bon, Toby, je vous laisse. Toby. Oui, ben oui. Mais où il est le gros con alors? Toby. Qu'est-ce qu'il y a? À tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Toby. Or not. Toby. Tu vas raconter ça. Tu l'as pris, toutes ces saloperies là. Tu vas raconter ça.
à Jean-Daniel, mais Jean-Daniel qui est un homme totalement réservé, hein. Tu sais qu'il en a vu avec nous, avec Marielle et moi. Oh, mais Marielle, mystificateur. Mais c'est un grand. Oh, mais c'est un mystificateur, il raconte des. Mais vous êtes des grands. Mais c'est un mystificateur, mais c'est ça qui est beau. C'est le mensonge. Le mensonge. On racontait les. Toby. C'est inimaginable. Et machin a toujours marché, quoi qu'il arrive. Jean-Daniel, Daniel, il me dit tu es très doux. Jean, tu dînes vendredi soir, tu dînes à la maison après le tournage. Ah, dis non, pas possible, Jean-Daniel. Mais pourquoi? Ben parce que moi, il y a un hélicoptère qui vient me prendre et je rentre, je pars pour le Canada samedi. Mais tu rentres quand? On se rend dimanche soir. Tout le temps, pour n'importe quoi. Non, mais j'aime, on avait fait croire avec Marielle, on avait fait croire à un type sur un tournage, on avait fait croire à un type sur un tournage. Ce qui est formidable avec Marielle, c'est que ça part au quart de tour. Au quart de et puis il a un joli œil. Ah oui, tous les, tu comprends, les gens. C'est un mec qui a un œil violent. Tout d'un coup, on va prendre un coup de fusil, qu'est-ce que tu veux? Ah merde! Vous avez bien dormi?